Hey, salut les cocos! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur Battlefield 1. Comme vous avez pu apercevoir dans le titre, donc je vais tout simplement présenter mes statistiques de guerre sur ce jeu. Donc, ça fait quand même un peu plus d'un an que je joue, donc vous pouvez apercevoir tout de suite que je suis niveau 96, donc j'ai ouvert un petit battle pack. Donc, en fait, je fais cette vidéo parce que j'ai 2-3 personnes qui m'ont demandé, en fait, parce que j'avais déjà annoncé dans une vidéo que je jouais principalement à Battlefield 1. Et qui m'ont tout simplement demandé mes statistiques. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir nous faire une petite comparaison. Si vous êtes un joueur de Battlefield 1, c'est dans cette vidéo qu'on va pouvoir comparer nos statistiques. Donc voir là vos points forts, vos points faibles, également les miens. Et ça va être plutôt intéressant de voir qui se débrouille le mieux dans certaines catégories. Je vais vous présenter ça. Je vais d'abord regarder les statistiques. Sur mon jeu, donc il y a très peu d'informations. C'est pour ça que par la suite, je vais vous montrer en fait mes statistiques sur Twinking Network Battlefield, donc le site le plus connu de catégorie de classement pour tout ce qui est statistique. Donc un classement à travers la communauté soit sur votre plateforme, soit à travers de toutes les plateformes. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, on va revenir dans le jeu. Donc vous pouvez apercevoir que j'ai environ 60% de victoire, donc je suis plutôt influençable dans le jeu, donc ça c'est un bon point fort. J'aimerais bien monter cette statistique à 65%. J'ai environ 150 heures de jeu, donc 150 heures de jeu niveau 96, ça prend du temps, c'est plutôt intéressant. J'ai environ 12 500 kills, donc ça commence à être assez conséquent. J'ai environ 1700 points par minute, donc ça c'est parce que je joue essentiellement en conquête, donc ça me rapporte beaucoup de points par minute, donc c'est une statistique assez haute sur mon profil. Je fais environ du 1,5 kill par minute. Donc là, c'est assez bas. Mais après, en conquête, il y a des grandes maps. Et des fois, j'ai plus de mal à faire des kills, à enchaîner les kills. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de travailler. Mais c'est quand même pas une statistique dégueulasse. Par contre, mon ratio, je pense que c'est l'un de mes gros points forts. J'ai 2,30 de ratio. Donc pour moi, c'est quand même assez représentatif de mon caractère sur le jeu, en fait. Je suis plus infanterie, en fait, qui vise plus à faire des gros ratios, à jouer les objectifs. Donc à jouer la victoire qu'à jouer, on va dire, la grosse défense à camper sur un point. Moi, je préfère attaquer le point, mais je défends plus de points que je n'attaque. Donc on peut apercevoir maintenant mon site de tracking, donc qui retrace toutes les statistiques qu'il peut avoir dans le jeu. Ça peut aller de nombre de kills sur une arme, votre taux de victoire, ça peut être absolument plein de paramètres. Donc ça, c'est un site où il y a vraiment tout ce que vous voulez, donc c'est intéressant de voir là où vous avez vos points forts. Moi, par exemple, c'est le skill, c'est mon ratio, c'est mon point par minute, ça, ce sont mes points forts. Après, j'ai aussi mes points faibles, par exemple les objectifs autres que le conquête et domination. C'est une catastrophe, ça. Donc là, vous pouvez apercevoir ma petite carte de visite, ma petite carte de mes ratios. Donc c'est à peu près ce qu'on voit là sur le jeu. Donc après, comme vous avez pu apercevoir, il y a un taux de pourcentage sur le tracking, c'est qu'on a environ 23 millions de joueurs, donc fin novembre, donc c'est quand même un très gros chiffre. Et en fait, le taux de pourcentage que je vous remonte en bas, c'est à peu près votre classement. Donc par rapport à la communauté, si vous êtes dans le top 10%, si vous êtes dans les 10 meilleurs pourcents des 23 millions de joueurs, quand même à prendre en considération, c'est-à-dire que vous êtes vraiment plutôt pas mal. Et plus vous vous approchez du 0%, c'est que plus vous êtes mieux. Donc maintenant, nous allons comparer vos statistiques avec les miennes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde!